Je le confesse, le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Nous bénissons le Créateur du ciel et de la terre qui nous a fait grâce d'être encore là ce matin. Il nous réunit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de nos âmes. Bien-aimés de Dieu, nous sommes réveillés encore aujourd'hui avec le psalmiste qui déclare que le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Elle est forte cette parole. Elle est forte cette parole. Une vraie confession de foi. Alors j'aimerais vraiment que tu la fasses avec nous. De là où tu es, déclare que le Seigneur est ta lumière et ton salut. Et que tu ne craindrais devant quiconque parce que l'Éternel des armées est avec toi. Le psalmiste déclare, « Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. » Telle une déclaration de foi qui est très forte, bien-aimé. Alors que tu te lèves et que tu fais cette déclaration, des choses se passent. Parce que la confession des lèvres déclare la parole, apporte le salut. Alors ne te tais pas. Déclare de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces que le Seigneur seul est ta lumière et que c'est lui seul ton salut. Il est le salut de ta famille. Il est le salut de ton foyer. Il est le salut de tes enfants. Il est le salut de tous les domaines de ta vie. Dieu seul. Dieu seul. Maranatha. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui? Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Je le déclare, le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Oui, le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui? Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Dieu seul est notre lumière et notre salut. Bien-aimés, en cette semaine de grâce, cette semaine sainte, nous montons avec Jésus. Nous montons vers la Pâque. Avec notre Seigneur et notre Dieu, nous montons à Golgotha. Nous montons avec lui. Nous mourons avec lui. Et nous ressuscitons avec notre Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas peur, n'ayons pas peur. Jésus est là. Et il est là pour tout un chacun de nous. Il veille au grain. Il ne dort ni ne sommeille, déclare la parole, le gardien d'Israël. Il est notre Seigneur et notre Dieu, le conquérant, le vaillant des combats, le lion de la tribu de Juda. Celui-là qui n'a jamais perdu de combat, qui combat toujours à tes côtés. Alors n'aie pas peur, il est ta lumière et il est ton salut.
marchons avec Dieu, marchons avec l'Éternel, marchons avec Jésus-Christ de Nazareth et nous verrons sa gloire dans tous les aspects de nos vies. Montons avec lui et déclarons qu'avec lui nous ne craignons rien. Et nos yeux verront cette délivrance. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera. Il est mon roc, ma citadelle, en lui le repos de mon être. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera. Tes yeux verront la délivrance que le Seigneur va t'accorder. De tes yeux, tu verras la délivrance que le Seigneur va opérer dans ta vie. De tes yeux, tu verras la prouesse, le miracle que Dieu fera dans ta vie. De tes yeux, tu verras ce que le Seigneur est capable d'opérer dans ta vie. Alors marchons avec Dieu, lui notre lumière et notre salut. Nous le déclarons encore une fois avec tous les bien-aimés de Dieu. Ma délivrance et mon appui, le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est toute en lui? Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, moi je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés de mon Seigneur. Sur la terre des vivants, car j'espère en mon Jésus. J'en suis sûr, bien-aimé de Dieu, tu verras les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère contre toute espérance. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. C'est vrai, c'est pas facile des fois, mais sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Quiconque espère en lui ne sera jamais déçu. Jamais, jamais déçu. Alors demeure dans cette action de grâce. Demeure dans cette proclamation de foi tout au long de cette journée et durant toute cette semaine sainte, jusqu'au jour où nous nous rappellerons de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous allons également ressusciter avec lui. Tout ce qui semblait être mort dans les aspects de nos vies va ressusciter avec Jésus au jour de Pâques, au matin de Pâques. Demeure dans cette confiance, bien-aimé de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.